Bienvenue dans votre édition Fashion News sur Fashion FK Channel où l'on vous présente les dernières actualités et tendances de la mode africaine. Je suis Brian Dormeux-Cosos et c'est parti. Les meilleurs looks des African Magic Viewer's Choice Awards. Les African Magic Viewer's Choice Awards sont connus pour présenter certains des looks les plus audacieux de la saison et le spectacle de cette année aux Echo Hotels de Lagos n'était pas différent. Pour célébrer les réalisations révolutionnaires de la télévision et du cinéma, le samedi 14 mars, les stars ont osé avoir un impact sur la mode sur le tapis rouge. L'actrice ghanéenne Nana Akua-Addo s'est très tôt imposée comme l'une des stars les mieux habillées de la nuit, après être arrivée sur le tapis rouge dans une superbe robe en organza sculptural Gaurav Gupta qui a souligné ses courbes. Adesua et Tommy Wellington figuraient également parmi les mieux habillées de cette année. Elle a opté pour une robe brodée et des talons nus personnalisés. Ebuka Obi Uchenju portait un costume blanc classique avec une chemise de smoking à volant de style des années 70. Voici les célébrités les mieux habillées des Africa Magic Viewer's Choice Awards 2020. Ensuite, Spazio Label présente une collection jazzy intitulée The Electric Collection. Les vêtements ne servent plus uniquement à couvrir. Il a depuis évolué pour servir d'outil pour faire des déclarations non verbales. Cela est parfaitement compris par la marque de mode basée à Lagos Spazio qui a récemment dévoilé sa collection électrique pour la femme moderne. La collection automne-hiver 2020 du prêt-à-porter de la marque célèbre l'harmonie de styles apparemment disparates, juxtaposant des textures, des couleurs contrastés et des imprimés audacieux. Tout cela a été fusionné, créant des pièces séduisantes et fusionnelles pour la femme moderne qui est prête à tuer dans des imprimés et des couleurs vives. Selon Spazio Label, la création de cette collection a été un processus intense et minutieux qui a abouti à ce que la directrice artistique Nancy Oudéboulène aimerait appeler le beau chaos, d'où la naissance de The Electric Collection. Met Gala 2020, le bal iconique annuel des célébrités reporté. Le Met Gala a été reporté indéfiniment en raison de l'épidémie de coronavirus. Anna Wintour, qui préside l'événement, a annoncé la nouvelle ce lundi dans Vogue. Un jour qui n'arrivera pas dans les délais sera l'ouverture de l'exposition de l'Institut du Costume About Time. En raison de la décision inévitable et responsable du Metropolitan Museum de fermer ses portes About Time et le gala d'ouverture ne se déroulera pas à la date prévue a-t-elle écrit. Le gala, l'un des événements les plus médiatisés de la mode, devait avoir lieu le 4 mai au Metropolitan Museum of Art de New York. Comme tout le monde, j'ai vécu cette crise de COVID-19 comme une série de développements précipités où l'on ne sait jamais exactement ce que chaque nouveau jour apportera, a-t-elle écrit. Le report du Met Gala a eu lieu le lendemain de l'annonce de la fermeture des écoles publiques de New York. Les bars et restaurants qui ont été limités aux plats à emporter et aux livraisons depuis lundi 16 mars à 20h. Une occasion pour nous de faire un retour en images sur les looks qui ont marqué la dernière édition du Met Gala qui s'est tenue en mai dernier. Enfin, ici, on adoptait les couettes en 2020. Instagram et Pinterest sont littéralement des réseaux sociaux pleins de belles surprises, tout comme la pinata lors des anniversaires. Constituant une mine d'or d'inspiration beauté en tout genre, ces réseaux nous font découvrir les tendances coiffures à adopter. En les sillonnant, nous sommes tombés sur le charme d'une coiffure aussi originale que moderne,
qui n'est nul autre que les couettes tressées. Loin de vous donner l'air d'une gamine, ce sont des tresses réalisées avec des mèches ou avec les cheveux crépus que vous enroulez de part et d'autre sur la tête. Cette coiffure a très vite été popularisée par les influenceuses beauté et par les amateurs d'art capillaire. Une bonne idée pour changer des nattes classiques. Petit tour d'horizon d'image. C'était tout pour aujourd'hui sur Fashion News. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Je suis Brian de Romeo Cosos. À la prochaine et surtout gardez votre passion pour la mode africaine. Bye.